Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux News. Cette semaine, retrouvez un petit reportage sur les places au soleil. En effet, les enfants ont fait des bricolages, ce qui engendre des déchets. L'idée, c'est de sensibiliser ces petits bouts de choux à la récup et au tri sélectif. Retrouvez les images de Mohamed. Voici le geste qui compte énormément pour l'environnement. Sensibiliser les enfants de la Bordonnette à l'importance du tri des déchets, à respecter leur quartier, bref, à les rendre des amis de la nature, est une des leçons que le centre socio-culturel vise à véhiculer à travers les activités des places au soleil. On profite de l'occasion pour passer un message, à savoir tout ce qui concerne les déchets. Donc ça passe du « on ne met pas les papiers par terre », il y a des poubelles exprès, le papier se trie, le verre se trie, le PET se trie. Et tout n'est pas biodégradable. Par exemple, les cigarettes. Donc c'est un message qu'on fait passer aux enfants dans le sens où ces enfants deviennent porteurs de quelque chose parce qu'ils sont plus à même de, je trouve, ils saisissent plus vite le message que les adultes. Jesse, dis-moi, voilà, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On arrête les papiers dans la poubelle. Il faut être tranquille, calme, il ne faut pas dire des insultes, il ne faut pas être méchant avec les autres camarades, tout et tout. Ouais. Et puis avec les déchets, qu'est-ce que tu as appris à faire? Par exemple, si j'ai un papier, bah, il faut que je jette dans la poubelle de papier. Pour sensibiliser les enfants au tri des déchets, Madame Cardone utilise une pédagogie basée sur la pratique et la peinture. La première chose qu'on fait sur les places au soleil, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la course aux déchets. Les enfants font le tour du quartier avec des gants, ils vont ramasser les déchets, ensuite on trie quand on revient sur la place. Ensuite de quoi, on peint des petits containers dans lesquels ils choisissent la couleur, le papier c'est le rouge par exemple. Et toute la semaine, ils vont trier les déchets. Joseph, tu mets où ça? Tu penses à où? Mais dans quelle poubelle? Dans le papier, dans le verre, dans le PET, dans l'alu. Ça va où? Là-bas. Tu penses que c'est pas récupérable? Oui. Non. Mais tu penses que je pourrais faire quoi avec ça? Parce que c'est de la peinture acrylique. Je peux peut-être la ramener. Tu sais, comme les cartouches de tonnerre, je peux la ramener dans le magasin, voir s'ils reprennent, s'ils récupèrent. Ok. Donc tu la mets dans cette poubelle, moi ce soir je trie. Je prends tous les tubes d'acrylique, puis je vais voir si je peux la reprendre. D'accord? Oui. C'est bien, Gisèle. Il faut trier les déchets. Mmh. Et comment il faut trier les déchets? On fait quoi avec le carton, par exemple? Ben, on va le mettre dans la poubelle à carton. Et puis? Et l'aluminium? L'aluminium, on va le mettre dans la poubelle pour la lune. Ouais. Et la peinture, on doit aussi la mettre dans la poubelle? Non, pourquoi? J'ai appris qu'il faut mettre ici, il faut mettre les papiers dedans où il y a marqué papier. Et puis tout, il faut mettre vert, qu'est-ce qui est vert, et puis qu'est-ce qui est composté, il faut mettre. Mm-hmm. Puis voilà, et puis aussi il faut toujours ramasser parce qu'il faut garder le quartier propre. Étonnamment, les enfants apprennent tellement bien la leçon qu'ils la donnent à leur tour à certains adultes. Il y a des enfants qui font la réflexion aux parents, qui lèvent des cigarettes par terre, de ne pas mettre les cigarettes par terre. Cependant, la sensibilisation des enfants à l'environnement ne peut pas se limiter aux activités des places au soleil. On compte aussi sur les parents. Il y a quand même quelques adultes dans le quartier qui viennent et on compte sur eux aussi pour passer le message. Grâce à les places au soleil, l'éducation à l'école, le rôle des parents et la volonté de chacune et chacun, les enfants de la Bourdonnette sont sur la bonne voie pour apprendre à maintenir la propreté de leur quartier. Le week-end dernier au Pyramide s'est déroulé le tournoi de pétanque du restaurant au Carrefour dit chez Petit Lulu. Retrouvez les images. C'est celle-là qui tient. La mienne, Lulu. Tu veux bien présenter Marie? Marie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux Pyramides?
bien, c'est le tournoi annuel du restaurant au Carrefour, dit chez Petit Lulu. International. Spécialiste du hamburger frais à Lausanne. Un des seuls bistrots western dans la ville de Lausanne. Je dois dire que ça a démarré difficilement. C'est vrai que tout le monde était un peu fatigué de vendredi soir. Il faut dire qu'avec ce festival de Montreux, ce festival de la Cité, tout le monde est un petit peu fatigué. Et c'est vrai qu'à 55 heures par semaine, le travailleur suisse est un peu fatigué le samedi matin. Néanmoins, tu étais là. Je pense que la bonne humeur va nous amener quand même quelque part à trouver beaucoup de plaisir et à apporter beaucoup de plaisir à chacun de nos concitoyens. N'est-ce pas ? Ça, c'est du Châteaubriand. Puis c'est dans quelle partie de l'animal ? Ouais. Ça y est, exactement. Ouais, ça y est, c'est ça. Bon appétit. Ça fait combien d'années qu'il existe, ce tournoi ? Ce tournoi, ça fait 8 ans qu'il existe et on n'a jamais eu de pluie. Fabuleux. Donc, s'il y a des jeunes mariés qui ont envie de se marier, il faut toujours qu'ils choisissent le 3e samedi de juillet. Le message est passé. Et c'est la journée de la détente et de la bonne humeur. Tous les clients, copains du restaurant se retrouvent ce 3e samedi de juillet. Et puis, il a un nom, ce tournoi de pétanque. C'est le trophée du Carrefour. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Marjorie. C'est mon dernier mot, Marjorie. Ben, merci beaucoup, puis j'espère que vous passez une bonne journée. Ouais, Marie. Merci. Mercredi 24 juillet 2008, s'est déroulé sur le petit terrain de foot de la Bourdonnette, l'Euro Bourdeau. Les jeunes sont venus en nombre et en folie pour disputer la finale qui a opposé FC Bordeaux et les KSVS. Thank you.
Là. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens, Excellent.
Cassine, mais là-bas, Allez, 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 allez
La sortie de la semaine. Retrouvez l'intégrale du tournoi de foot Euro-Bordeaux. Ainsi prend fin ce Bordeaux News. Profitez des vacances pour ceux qui y sont, ceux qui travaillent, courage et à la semaine prochaine. Bye.